vous regardez RTL. Chantal Arsou. Oui, mon chéri. Vous m'appelez mon chéri, pour commencer. Oui, parce que c'est lundi. Ah oui, c'est vrai. Ça va, lundi, chéri, c'est bien. Vous avez remarqué que c'était lundi. Oui. Ah, il progresse, hein. Ah, oui. Je suis allé voir les Rolling Stones vendredi soir. Ah oui, c'était bien. Oh, quel dynamisme. Ah oui, oui. Et alors, il marche un peu comme Ariel Dombal. C'est-à-dire. Mais c'est-à-dire qu'il marche un peu sur la pointe des pieds. C'est amusant, hein. Comme oui, il marche. Oui. C'est tout ce qu'elle a retenu. Voilà. Quelle formidable anecdote. Non, ah, oui. Il fait énormément de bruit. Ça a dû leur faire drôle de voir un public encore plus vieux qu'eux. Non, ils sont vraiment vieux. Hein. Ah, non, ils sont très très vieux. Ils sont vraiment vieux. Ah oui, oui, ils sont très très vieux. Hein. Ah oui, racontez. Bah, ils sont vieux et puis ils font beaucoup de bruit pour des vieux. Hein. Bah, mais ils entendent dans pas. Une salle énorme. Oui, on m'avait dit que vous me feriez rire, mais pas tellement. Non, ils sont formidables. Vous n'êtes pas allé voir les Stones, vous, Pierre Benichou? Les quoi? Non, les Stones, non. Non, et alors, je vais vous dire... Ça me fait chier, c'est pas de la Munich de blanc, ça. Ah, c'est super. Et alors, à un moment donné, il est très, très en transpiration, malgré son grand âge, il est un peu sec, on va le dire. Oui, hein. Oui. Et bien, il secoue comme ça son blouson et tout le monde fait « Ah !» Et il ne le donne pas, voyez-vous. Il est radin. À la fin, il donne un vieux torchon tout troué. Ah oui. Parce qu'il s'essuie et tout. Mais qu'est-ce que vous foutiez là, vous, au concert des Stones? Parce que moi, j'adore les Stones, c'est toute ma jeunesse. Ah, hein. C'est vrai. Satisfaction. Oh. And I try. Vous n'avez pas une question à poser, là, s'il vous plaît. Là, c'est le moment. Voilà. Hein, parce première citation. Elle va nous gâcher l'après-midi, là. On voit que she got no satisfaction. And I try. Satisfaction. D'ailleurs, à un moment donné, il m'a entendu chanter, il m'a fait comme ça. Hein. Vers moi, 40 000 personnes, il m'a regardé moi, je vous le dis. Hein. C'était où? C'était à l'Arena U2. Les chauffeurs taxi ne connaissent même pas cet endroit. Les... Bah, c'est on vrai. A tourné, c'est tout neuf. C'est tout neuf, oui. Et alors pour partir, hein, pas de taxi. Ah oui. Les taxis n'avaient pas le droit de s'arrêter. Les gens disaient « Ah, moi j'en ai pris un au vol !» Il y avait Bruel avec moi qui n'avait pas de taxi non plus, je lui ai chouré sous le nez à Bruel, son taxi. Et pendant ce temps-là, nous on vivait une vie ordinaire.